Move care using artificial intelligence to predict relapses in lung cancer. I want to congratulate all these successes and all these entrepreneurs and researchers. L'année dernière, nous avons pu observer deux points saillants. Le premier, c'est que Move care s'est particulièrement bien adapté au parcours de soins. Et le second, c'est que Move care est de plus en plus utilisé par les professionnels de santé. Première thérapie numérique digitale pour traiter un cancer. Explication tout de suite en image avec ce reportage de Fleur Citruc. Sivan a lancé Move care, une application qui permet de contrôler l'état de santé du patient entre deux visites chez le médecin. So MoveCare is really like a major innovation. This is the first time in the world that a digital therapy was proven to improve survival, overall survival. We did many clinical studies, phase two, phase three clinical studies, exactly like you would have with a drug, with a control arm, an experimental arm. And we showed that we can improve survival by almost 8 months, which is amazing. C'est très bien décrit pour l'application Move Care dans les stades métastatiques. Et nous, on est très volontaires pour le mettre en place dans les cancers bronchiques opérables. Parce qu'on voudrait vraiment offrir à ces patients-là une prise en charge très précoce de leur récidive. Comme vous l'avez vu, le télésuivi digital peut améliorer la qualité de vie des gens, la morbidité, donc le risque de développer des maladies, et la mortalité. Et par exemple, la solution MoveCare dans le cancer du poumon a diminué la mortalité. So, MoveCare is a great improvement for the patient's care pathway. It's, however, it implies a change of perspective, how the follow-up should be. Well, data comes from multiple resources. One resource is the patient PRO. We collect this data and create a machine learning model that will be able to predict if the patient will have a relapse in the near future. De suivre le patient alors qu'il n'est pas présent. Il est chez lui, il est à domicile et pourtant, on suit une fois par semaine régulièrement ce qui se passe, ce qu'il ressent. Et lorsqu'on le voit à la consultation suivante, en fait, on gagne énormément de temps parce qu'on sait ce qui s'est passé dans l'intervalle. C'est vrai qu'on arrive à la consultation en sachant déjà s'il y a eu un problème ou pas. Et donc, ça permet d'être un peu plus focalisé sur ce qui se passe réellement. Donc... C'est un logiciel qui est quand même assez facile d'utilisation, ergonomique et qui prend assez peu de temps pour ses patients. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi une plus-value. C'est cette réponse, effectivement, que MoveCare apporte aux patients en surveillance, à ces patients qu'on connaît, quand on est à l'hôpital, les patients qui arrivent et qui nous disent « Mais maintenant que j'ai fini mes traitements, comment je vais faire à la maison? Comment je vais faire sans ces rendez-vous réguliers à l'hôpital? À quoi je dois être attentif ?» Et donc, c'est cette réponse que MoveCare apporte.
ça fait une cassure entre la visite et l'autre visite chez l'oncologue. Voilà, on a quand même un suivi qui est là. Et ça, c'est vrai que c'est gratifiant, ça rassure.